Eh bien, salut à tous, salut à tous. On se retrouve pour une petite vidéo tuto sur Star Citizen. Donc, je viens de m'apercevoir que je n'ai jamais fait de réel tuto sur les touches sur Star Citizen. Comment utiliser le vaisseau, bien le piloter et tout. Surtout depuis la mise à jour, on a eu quelques touches qui se sont déplacées. On a pu tout qui est au même endroit et c'est assez galère. C'est une assez grosse galère pour ceux qui sont pas anglophones, qui parlent que le français. Parce que les touches ne sont pas traduites. Donc là, je vais vous faire un petit tuto pour vous apprendre à utiliser votre vaisseau, enfin en tout cas au moins les bases, et comment viser une cible, comment tirer. Et puis voilà, on va faire deux trois petits tests. Je vais vous montrer deux trois petites façons de viser, de sélectionner le vaisseau, de tirer. Et par contre, je ne ferai pas de tuto actuel sur le joystick. Oui, parce que je n'ai pas encore de joystick. Comment dire? Soit apte à Star Citizen, parce que actuellement, si vous voulez tout savoir, le seul joystick que j'ai à portée de main, c'est un Cytec ST90. Donc voilà, normalement j'ai dû déjà vous afficher une image, et c'est pas vraiment le joystick idéal pour Star Citizen. Déjà qu'il n'y a que trois boutons, et en plus on ne peut pas régler la vitesse sauf avec les de 25% 25%. Donc sur Star Citizen, où ça demande un peu de précision par moment, c'est assez compliqué. Allez, donc aujourd'hui on va apprendre à utiliser le clavier et la souris. Et je vous ferai peut-être une vidéo plus tard sur comment utiliser la manette, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a besoin de beaucoup beaucoup d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps, quoi. Allez, on se retrouve tout de suite dans le vaisseau. Eh bien, nous voici enfin devant notre vaisseau école. Donc alors pourquoi j'ai pris l'Aura? Parce que ça va être le vaisseau que la plupart d'entre vous vont acheter au début, hein, le premier vaisseau. Donc ne vous inquiétez pas, hein, les touches ne changent pas d'un vaisseau à l'autre, c'est juste pour visuellement, c'est le premier vaisseau que vous aurez. Et je ne prendrai pas ça pour les démonstrations au combat. Hein. Là, nous sommes donc en Arena Commander en mode libre, en solo, pour éviter d'être importuné. Et après, on ira en mode combat pour que je vous montre tout ce qui est par rapport au tir, à la visée. Et je prendrai à ce moment-là peut-être un vaisseau un peu plus costaud, surtout que l'Aurora n'a pas d'armes mobiles. Ce ne sont que des canons fixes. Donc, on va commencer avec les manœuvres de base. Donc, comment décoller? Parce que quand vous allez arriver sur Port Olisar, vous avez commandé votre vaisseau sur la base du milieu. Vous êtes sorti en prenant bien une combinaison, en vérifiant que vous avez bien les trois taquets qui est en bas de l'écran, là, que vous voyez. Ou, au pire, vous regardez sur vous, hein, si vous êtes habillé. Voilà, je suis beau, hein, en noir et or. Voilà. Vous regardez si vous avez votre combinaison. Vous sortez avec votre combinaison. Et vous allez direction votre vaisseau qui sera marqué avec un petit point comme ça. Donc une fois que vous êtes arrivé à votre vaisseau, pour entrer, vous allez sur un des côtés, sur l'Aurora, là c'est le cas, l'Aurora il a des portes sur le côté. Donc vous allez sur un des côtés, vous allez avoir appuyé Use. Alors vous appuyez sur F, voilà. Et là vous êtes dans votre Aurora. Donc ne faites pas Use vers l'arrière, sinon vous serez dans votre lit. Voilà, ça sert à rien, vous allez juste sur votre lit. Et voilà, vous regardez le plafond, c'est beau, vous pouvez dormir, faire une petite sieste. Ensuite, donc pour monter dans votre siège, vous vous rapprochez un petit peu de votre siège. Alors c'est un peu étriqué, donc le bonhomme a tendance à se cogner, un petit peu vous vous rapprochez. Et vous faites encore une fois F. Voilà, si vous approchez pas de votre siège, vous risquez de ressortir vers l'extérieur de votre vaisseau, donc faites bien attention. Donc là, votre personnage démarre votre vaisseau. Voilà. Hop, la porte se ferme. Ah oui, le vaisseau était garé un peu le nez en l'air, mais c'est pas de ma faute, il y a un petit bug avec l'Aurora là en ce moment. Ça sera réglé à la prochaine mise à jour. Donc à ce moment-là, vous êtes dans votre vaisseau, vous êtes prêt à décoller. Alors, par contre, là, le problème, c'est si vous appuyez sur avancer, il ne se passe rien. Donc pour décoller, c'est simple, vous appuyez sur espace. Et là, votre vaisseau va se soulever. Voilà. Donc une fois que vous êtes soulevé, vous appuyez un peu plus sur S si vous voulez taper plus haut. Donc, pour tourner à gauche, vous poussez votre souris vers la gauche, voilà, comme ça. Et pour tourner à droite, vous poussez votre souris vers la droite, comme ça. Donc le réticule que vous voyez là, plus vous l'éloignez de la croix au milieu, plus votre vaisseau va faire des mouvements rapides. Voilà, regardez, hop, je m'éloigne pas mal, là je suis à fond, mon vaisseau tourne très vite. Je le remets au milieu, hop, il tourne plus, je l'éloigne un tout petit peu, hop, mon vaisseau il est précis, il se décale que très légèrement. Alors c'est pareil pour monter, voilà. Pour descendre, voilà, et vous pouvez partir en angle aussi, hein. C'est pas bloqué les angles. Donc ensuite, pour avancer,
Alors vous avez une jauge ici. Alors je vous montre avec le curseur, c'est pas une bonne idée parce que le vaisseau va partir en cacahuète. Vous avez une jauge ici là. Alors attendez, je vais mettre sur une zone sombre que vous voyez bien. Alors, une petite jauge là en bas avec un marqué à 0 actuellement. Plus vous allez appuyer sur Z, voilà comme ça. Voilà, là j'ai appuyé un petit peu, je suis à 13% du moteur. Donc là, mon vaisseau se déplace à 6 mètres par seconde parce que j'ai pas enclenché encore la vitesse rapide. Donc pour enclencher la vitesse rapide, on va augmenter jusqu'à 37. Environ 30, hein, et vous appuyez sur V. Alors là, vous voyez, une fois que vous avez appuyé sur V, vous êtes passé en mode en vitesse de combat. C'est pas encore une vitesse de croisière. Vitesse de croisière, on verra ça après tout à l'heure, quand on sera plus en mode libre, parce qu'en mode libre, on est cantonné qu'à la vitesse de combat et à la vitesse d'approche. Voilà, la première vitesse, quand vous êtes limité, voilà, là, j'ai appuyé dessus, donc là, je suis limité, c'est une vitesse qui va vous permettre de faire des approches précises. Imaginons, je veux me rapprocher de la station. Là, alors attendez, je pousse à fond. Voilà, donc maximum 50. Et je veux me rapprocher de la station. Donc là, je ralentis en appuyant sur S. Voilà, la jauge redescend. Vous voyez, c'est quand même plus pratique de manœuvrer à basse vitesse. Voilà, là, je vais passer entre les antennes, proprement. Voilà. Alors que quand vous appuyez sur V, alors là, vous lâchez les chevaux et c'est parti. Donc là, je vais me mettre à fond. Voilà, 100. Là, c'est 100% de la vitesse. Je me déplace à 180. Donc, l'Aurora est très lent. Hein. C'est normal qu'il monte à 180. C'est un petit vaisseau. À la base, fait pour un petit peu de transport et tout. C'est un vaisseau de démarrage. Hein. C'est pas encore la Ferrari. Hein. Vous commencez comme en vrai. Hein. Vous commencez avec la Clio et vous avez à la fin la Ferrari si vous avez de la chance et que vous gagnez de l'argent. Donc, ensuite, pour pousser un peu plus le réacteur, vous pouvez appuyer sur double shift. Alors, pourquoi double shift? Parce que le premier shift va vous permettre, regardez, je vais me redescendre à 39. En appuyant sur shift, ça va me donner un apport d'énergie supplémentaire. Vous voyez, il y a une deuxième jauge au-dessus qui est déjà à 100. Donc cette jauge au-dessus, c'est un accumulateur d'énergie. Donc quand je vais mettre à fond et je vais appuyer en même temps sur shift, regardez, la queue descend et hop, je monte très vite à 100. En gros, ça va envoyer le maximum d'énergie vers les réacteurs qui en ont besoin. Là, je me mets à tourner, vous voyez, mon vaisseau se dérive sur le côté, j'appuie sur shift et mon vaisseau dérive de moins en moins. Ça permet d'envoyer plus d'énergie sur les moteurs de manœuvre. Donc pour savoir si votre vaisseau dérive, vous voyez, vous avez un rond là avec une petite flèche vers le haut. Donc là, le rond avec la flèche vers le haut et vers la gauche. Donc mon vaisseau se décale sur la gauche. N'oubliez jamais de regarder où est ce rond. Ça permet de savoir si vous partez dans le bon sens. Hein. Là, je vais pas tout droit, hein. Je me décale sur le côté. Parce que mon vaisseau a une masse, une inertie. Et c'est normal qu'il parte sur le côté là. Pareil, je vais vers le bas, mon vaisseau il continue un petit peu à aller tout droit. Avant d'arriver, voilà. Arriver à se concentrer. Ça, il faut pas l'oublier, l'avoir bien vu. Là par exemple, je vais me mettre à l'envers. Ouais, là ça se voit carrément, mon vaisseau se décale vers la gauche. J'appuie sur Shift, hop, pour redresser un peu plus vite. Voilà, là, donc c'est bien redressé, mon rond avec ma petite flèche est bien dans le bon sens. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez donc prendre un coup de boost et que vous êtes à fond, vous appuyez deux fois sur Shift et vous allez mettre la post-combustion. Voilà, donc là, ça utilise très rapidement la jauge. Vous voyez, elle descend rapidement. Mais je me déplace à 285. Je relâche et je redescends. Voilà. La jauge remonte tout doucement. Hein. Ça dépend du vaisseau. Sur l'Aurora, il remonte vraiment très doucement. Et sur d'autres, beaucoup plus vite. Hop. Donc pareil, si vous voulez freiner très vite... Alors là, vous faites double S pour être à 0 rapidement et vous appuyez sur Shift et là, j'ai plus de jauge donc ça sert plus à grand chose. Voilà, donc là je suis à l'arrêt. Ensuite, si vous voulez réaccélérer d'un seul coup à fond, vous faites double Z et là vous êtes repassé à 100, vous faites un petit peu de Shift et vous allez accélérer très vite. Voilà. Voilà pour ce qui est de se mouvoir. Ensuite, donc pour les manœuvres latéral. Donc si je veux me décaler à gauche, c'est simple, je vais appuyer sur Q. Voilà, mon vaisseau se décale sur la gauche. Si je veux me décaler sur la droite, j'appuie plus sur Shift pour me remettre à 0. Là, si je veux me décaler à droite, j'appuie sur D. Et vous voyez, mon vaisseau se décale à droite. Il n'y a pas de vitesse affichée parce que la vitesse affichée est la vitesse vers l'avant. Donc là, n'hésitez pas à appuyer sur Q hein, pour repartir sur la gauche. Voilà, c'est à vous de gérer vos propulseurs de manœuvre. Ensuite, si je veux faire une vrille sur la gauche, j'appuie tout simplement sur A. Voilà.
Si je veux faire une vrille sur la droite, j'appuie tout simplement sur E. Voilà, votre vaisseau tourne sur un axe. Donc par contre, on va parler maintenant d'un point, ça s'appelle les jets positifs et les jets négatifs. Donc on va avoir des jets négatifs vers le haut. Donc regardez, là vous voyez, je commence à avoir un petit voile noir. Voilà, là, regardez, ça devient ça, ça sombrille. C'est parce que je fais trop de jets vers le haut. En gros, mon sang descend vers mes jambes. Hop, ça se voit pas trop sous l'aura parce qu'il est pas très rapide, mais sur un Mustang ou sur un Hornet ou sur des vaisseaux très rapides, vous allez voir tout noir d'un seul coup. Et alors là, votre personnage regarde vers le bas à gauche, ne pilote plus et vous allez continuer tout droit. Donc, en cas d'astéroïde, je vous laisse un peu imaginer, par exemple là dans ce cas-là, vous êtes un peu dans le caca. Donc, votre perso finit par revenir à lui, hein. Ensuite, pour les jets positifs, donc vous allez avoir plus de sang qui va monter à votre cerveau. Vous allez descendre vers le bas à fond et vous allez voir, bon, ça se voit pas sur l'aura parce que c'est très très dur de le faire sur un aura. Voilà, ça, là vous l'avez vu un petit peu en rouge. Là, le fait que j'ai très vite vers le bas, tout le sang est remonté à mon cerveau. Voilà, c'est ce que voient un peu les pilotes. Voilà, mon sang remonte vers mon cerveau et donc je vois tout rouge parce que j'ai le sang qui m'arrive dans les yeux. Voilà. Donc ça, c'est les principales choses à savoir pour le déplacement. Si vous voulez freiner très fort aussi, il y a une autre solution. Vous appuyez sur X. Et là, X, c'est le frein. Voilà, c'est lent, mais ça vous permet d'avoir un petit frein d'un point. Si vous le lâchez, hop, vous repartez. Vous l'appuyez, vous arrêtez. Voilà. Ça vous permettra un peu de contrôler votre vaisseau. Hop, vous repartez. Et c'est parti. Donc, point suivant sur le déplacement, on va parler du fait de coupler et découpler. Donc, là, en appuyant sur C, je suis en mode découplé. Vous voyez, le couplet est barré. Alors, qu'est-ce que ça signifie de coupler ou découpler? Tout simplement, tous les petits moteurs de manœuvre qui vous permettent automatiquement d'aller sur la trajectoire que vous voulez vont être désactivés. Donc, par exemple, je donne une poussée vers l'avant. Mon vaisseau va continuer d'aller vers l'avant. Regardez, je tourne à gauche. Le petit rond reste à ma droite. Je peux même aller en marche arrière. Alors, vous allez voir ma vitesse aller dans les négatifs, c'est normal, je vais en marche arrière. Voilà, là, techniquement, je suis en marche arrière. Je peux tirer sur mes ennemis. Mon vaisseau continuera à aller dans la direction que vous aurez donnée. Et là, je suis complètement en marche arrière parce que je revois le rond avec la flèche, mais vers le bas. La flèche vers le haut, c'est la direction que je vais. La flèche vers le bas, c'est la direction d'où je viens. Là, je réaccélère et hop, vous voyez, ça s'est inversé. Donc, c'est pareil si vous allez sur le côté. Votre vaisseau va continuer à aller sur le côté. Et donc là, il va falloir jouer sur les moteurs de manœuvre. Alors, ça peut donner des résultats très très sympas pour les combats. Mais désolé pour le freeze, hein, c'est Star Citizen, les petits freeze, on est habitué. Ça peut donner des trucs très intéressants pour le combat parce qu'imaginez votre ennemi, il vous passe à côté, hop, vous continuez à lui tirer dessus, ou même vos ennemis sont derrière vous, vous continuez en marche arrière, vous les déglinguez. Voilà, vous pouvez même tourner autour de votre ennemi comme ça. Voilà, imaginez-vous tourner autour de votre ennemi. Ensuite, pour les réactiver, bah c'est très simple. Vous appuyez sur C et hop, vous allez revenir en mode coupé. Donc vos réacteurs vont automatiquement se reprendre et reprendre le vaisseau. Voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, on va parler de la dernière phase, bien sûr, au pilotage, l'atterrissage. Donc l'atterrissage, vous avez deux solutions. Donc, on va se rapprocher des stations. Vous appuyez sur N pour être en mode atterrissage. Vous approchez des stations. Donc là, vous voyez, il y en a une. Hop, celle-là, c'est activé parce que vous êtes assez près. Donc là, plusieurs solutions. Soit vous prenez cette base-là et vous atterrissez dessus. Soit vous appuyez tout simplement sur R pour changer de plateforme et choisir la plateforme qui vous intéresse. Donc là, je vais reprendre la première qui est devant. Voilà, elle est sélectionnée. J'appuie sur F pour la valider. Et vous voyez, j'ai un petit réticule qui me dit comment, dans quelle position je me trouve par rapport à la station. Là, je me rapproche. Alors, avant d'atterrir, vous choisissez si vous voulez atterrir en manuel. Donc là, c'est mon cas. Vous voyez, l'automatique est barré en bas à droite, en dessous de la petite flamme. Si je veux passer en automatique, j'appuie sur Alt-GR et N. Là, je suis en automatique. Je vais me remettre en manuel pour la démonstration. Donc l'automatique, la seule chose de différente que ça aura, c'est que vous vous approcherez
Hop, je vais me mettre en manœuvre. Voilà. Phase de manœuvre. Vous approchez. Une fois que vous êtes au-dessus, vous allez ralentir d'un seul coup. Alors là, vous êtes complètement en mode manœuvre d'atterrissage. Donc le jeu vous a complètement ralenti pour atterrir. Alors là, j'ai le nez trop bas, donc j'ai un petit pointeur rouge. Voilà. Je suis au-dessus de la station, donc tout est vert. C'est bon, je peux atterrir. J'appuie sur Shift délicatement. Sur Shift, sur Ctrl délicatement, tant pour moi. Hop, et on descend. On remonte un peu le nez, voilà, pour pas avoir le pointeur rouge. Donc quand vous êtes en automatique, il descend tout seul. Vous allez vous mettre au-dessus et il va descendre tout seul. Hop, on descend. Et on se pose. Voilà. Donc cette première partie est terminée. Nous allons partir maintenant en combat pour vous montrer comment viser, comment tirer et comment sélectionner une cible. Et je vous emmènerai après en PTU pour vous montrer comment initier un Quantum Drive et aller dans des nouvelles zones. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous voici face au Vandoul en Vandoul Swarm, donc pour cet apprentissage au combat. Donc, je suis secondé de deux PNJ qui sont avec moi. Donc, pour sélectionner un ennemi, nous allons appuyer sur Y. Donc, avec Y, nous allons avoir la cible la plus proche qui va être sélectionnée. Si vous voulez changer de cible, vous réappuyez sur Y et ça va sélectionner automatiquement la deuxième cible la plus proche. Donc là, par exemple, la plus proche, c'est lui. Donc, pour détruire la cible... Donc le défi va consister déjà à pas être en pleine lumière. Là vous le verrez peut-être pas, mais là il y a un petit curseur juste devant. Voilà, devant mon ennemi, voilà un petit rond là. Donc ça peut être un rond, un carré, ça va dépendre de l'arme que vous avez dans votre vaisseau. Le but va consister de tirer avec le cercle que vous avez dans la cible qui est devant votre ennemi. Voilà. Là celui-là je l'ai déglingué. Bon, deuxième exemple, voici. Voilà, donc là je vise dans le petit cible qui est devant lui. Là, il prend des dégâts. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la petite cible que vous visez, c'est l'endroit où va être l'ennemi, hein, par rapport à sa vitesse, son déplacement et tout, par rapport à vos tirs. Donc là, c'est assez facile en Vandoul, parce qu'en Vandoul, c'est pas très intelligent, ça va pas faire des zigzags, donc c'est assez facile de viser. Et surtout que là, avec le Gladiator, oui, parce que c'est pas en net, c'est le Gladiator, j'ai des armes qui sont mobiles, donc elles peuvent tirer à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc ensuite, si vous voulez sélectionner un allié, vous appuyez sur U. Vous voyez, ça me sélectionne mes alliés. Si vous voulez sélectionner vite un ennemi après, vous appuyez sur T. Ça va vous sélectionner le plus proche qui est vers vous. Celui qui risque de vous faire très très mal, quoi. Donc là, on va essayer de pas se planter avec un gladiator. Ça serait sympa. Voilà, donc l'ennemi est ici. Il s'est planté dans les astéroïdes. On va le défoncer. Voilà. Voilà, voilà, on va pas se laisser faire, hein. Donc pour les missiles, vous appuyez une première fois sur la molette pour cibler l'ennemi. Vous voyez qu'il y a des ronds qui se mettent autour. Bien sûr, je me suis fait déglinguer pendant ce temps. Ce n'est point grave. C'est ce qui arrive quand on est dans une partie face à des ennemis. Donc pour respawner, vous appuyez sur X en mode arena, hein, bien sûr, pas en mode libre. En mode arena, vous appuyez sur X, vous respawnez. Donc ça me permet en même temps de vous remonter le respawn et c'est pas mal. Donc pour cibler avec les missiles, comme je disais, un coup sur la molette, vous allez cibler votre cible. Donc là, vous voyez le symbole du missile, du type de missile que vous avez lancé dessus. Et pour lancer le missile, une fois que vous avez visé, vous restez appuyé. Là, vous l'avez entendu, il est parti. Vous restez appuyé sur la molette à ce moment-là. On va essayer de le déboîter. Hein. Donc après, les subtilités du combat, c'est pas simplement viser et tirer. Hein. Donc déjà, première astuce, n'allez pas à fond. Hein, à 100 km/h, votre vaisseau est moins... À 100 mètres par seconde, votre vaisseau est moins facile à gérer. En tant que combat que, par exemple, là actuellement, je suis à 94. Tout va dépendre de votre feeling. Si vous aimez bien les vaisseaux très nerveux, très rapides, mettez-vous à fond, hein, si vous y arrivez très bien comme ça. Moi, personnellement, je préfère être un tout petit peu plus loin, mais savoir où je vais et bien viser l'ennemi. Moi, c'est une astuce que je vous donne. Là, vous attendez bien que le réticule vienne en rond autour. Gardez-le bien en face. Voilà, je l'ai plus en face, donc le réticule, c'est... Vraiment, il faut bien l'avoir en face de vous pour pouvoir envoyer le missile. Et là, vous restez appuyé et c'est parti. Hop. Le petit jouet va aller dessus et va exploser. Enfin, il peut toujours l'esquiver. Hein. Il y a toujours des méthodes. Vous voyez, là, il a tourné franchement sur le côté. Le missile a eu un peu de mal à suivre. Ah, il l'a raté. Allez. Bon, il l'aura pas eu. Hop. Alors, faites gaffe avec ça, les missiles. Il y en a certains parfois qui partent attaquer vos alliés dans ces cas-là.
Oh là là, il s'est planté lui. Alors même les vandoules hein, sont capables de se planter dans les astéroïdes. Alors, après pour les combats, il y a un peu plus de subtilité quand même que de tirer sur les ennemis. Vous avez des leurres. Donc là, les leurres sont symbolisés avec des petites flammes, des petits satellites, enfin des petits trucs wifi ici, là, sur le côté. Donc pour sélectionner un leurre, le type de leurre qu'il vous faut, la flamme ou l'autre, vous appuyez sur G. Donc là, vous voyez, je sélectionne entre les deux différents jets. Ça va correspondre au missile que vous aurez en rouge en haut. Donc par exemple, si c'est une flamme qui vous poursuit, vous vous mettez sur la flamme. Si c'est un wifi, vous mettez sur le wifi. Hop, merci de me laisser présenter ce que j'explique. Monsieur le Vandoule, voilà. Ah, les Vandoules sont pas bien nerveux hein, pour l'instant. Donc là, lui, il aurait un Wi-Fi, il enverrait un leurre pour le Wi-Fi. Alors ensuite, pour envoyer le leurre, donc c'est pas très, très compliqué non plus. Voilà, le missile a touché, vous restez appuyé. Alors vous voyez, j'en ai besoin d'un. Hop, je reste appuyé et hop, le leurre est parti. Donc c'est ça, les leurres, vous voyez ça par exemple dans les films d'action. Vous regardez dans l'Agence Rix, le dernier film. Le gros, l'avion, il envoie des plein de petits leurres derrière lui. Ça va faire. C'est un peu pas le même genre. Hop, 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 on va le défoncer. Donc vous sélectionnez bien le type de leurre qui correspond au missile qui vous poursuit. Et c'est tout simple. Hop. Alors maintenant, on va passer. Alors là, vous êtes en mode arme mobile. Mais vous allez me dire, oui, mais tous les vaisseaux n'ont pas d'arme mobile ou j'aime pas combattre en arme mobile. Donc si vous voulez passer en arme fixe. Vous appuyez sur J et là, vos armes sont en fixe. Vous n'avez plus le gros rond. Vous avez un petit point à la place. Donc Alt GR J et vous êtes avec le petit point. Alors là, pour viser, ça va être un peu plus compliqué parce que vous allez viser avec le nez de votre avion, votre vaisseau, comme un avion classique. Donc là, on va prendre lui là. Vous allez voir, hop, je vais viser avec le nez de mon avion. Alors, je vais mettre le curseur sur la cible. Moi personnellement, c'est j'aime mieux jouer comme ça parce qu'en plus. Selon les vaisseaux que vous allez avoir, vous allez pouvoir peut-être mettre une arme plus puissante, plus intéressante en mettant que du fixe. En mettant du mobile, vous êtes obligé de baisser de 1 grade l'arme que vous allez mettre. Oula, je vois rien avec le soleil. Donc, par exemple, là, je dois avoir des armes de type Terre 2, donc de tier 2. J'aurais pu mettre du tier 3 si j'avais tout mis en fixe, sauf bien sûr sur la toile du dessus parce que celle-là n'est pas changeable. Hop. Voilà, c'est vraiment super simple pour viser, pour apprendre à aller en Vandoule Swarm, comme là je suis. Vous visez dans le rond, ou dans le carré, ou dans le rond. Vous allez voir, le carré et le rond, ça va correspondre à l'arme que vous avez, si c'est de la balistique, si c'est du laser. Et si vous avez deux armes qui ne tirent pas à la même vitesse, donc par exemple le projectile est beaucoup plus lent sur la balistique, vous allez avoir les deux curseurs qui vont être décalés, c'est à vous de tirer avec la bonne arme. Là, j'appuie comme un bourrin depuis tout à l'heure avec... le clic gauche et le clic droit, mais regardez là, avec que le clic gauche, j'ai une seule arme. Alors attendez, je vais le viser lui. S'il te plaît, voilà. Avec le clic gauche, je ne vise qu'avec le tir vert, comme vous voyez. Tac, tac, tac. Avec le clic droit, je vise avec le tir rouge. Alors après, il y en a qui vont avoir besoin du bouton sur la gauche, du bouton sur la droite, de la souris, ça va dépendre de votre arme. Alors là, je m'approche un peu trop de la limite de la map. Hop, on va s'éloigner un peu. Hop. On ralentit, on fait demi-tour. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est là. Voilà, donc vous avez jusqu'à 4 types d'armes séparées. Tac, 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 tac. Voilà. Donc pour le combat, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Hein. Après, ça sera à vous de perfectionner votre art du combat, comme on dit. Donc, vous décaillez sur le côté tout en ciblant la cible. Là, voilà, vous restez bien face à lui, vous tournez autour de lui. Imaginons que le rocher, ça soit ma cible. Je le tourne autour, comme ça. En faisant attention de ne pas me prendre un astéroïde sur le trajet, parce que je viens de le voir sur le côté. Voilà, vous le tournez autour. Et vous le défoncez. C'est à vous de trouver vos techniques. Il y en a plein, hein, des techniques. Quand vous serez en combat, vous le verrez vous-même. Hein. Des vaisseaux très rapides qui viennent vous défoncer, des lents qui arrivent à vous exploser aussi. Chaque vaisseau a vraiment sa technique à part entière. Son type d'arme aussi, parce que selon les armes que vous pourrez mettre, elles seront plus ou moins intéressantes selon le vaisseau. J'ai vu par exemple qu'en TR4, on avait un genre de fusil à pompe laser sur le Hornet.
pas que sur leur net, hein, sur tous les vaisseaux qui peuvent mettre du TR4. Donc c'est une arme par exemple, qui va être très pratique si vous aimez faire du combat rapproché. Voilà, hop. On va lui envoyer. Alors pour envoyer plusieurs missiles, vous faites juste plusieurs petits clics. Voilà, regardez, j'ai fait plusieurs petits clics. Vous attendez que les petits points se fixent comme ça. Et vous restez appuyé, les 4 vont partir. Et là, joyeux Noël. Ah, ça a fait planter mon jeu tellement que c'est joyeux Noël. Donc c'est pas grave, on va se retrouver tout de suite sur la suite du tuto. Donc comment faire un bon spatial. Allez, à tout de suite. Et nous voici à Port-au-Lizard. Donc j'ai déjà commandé le vaisseau. Hein. Nous allons partir en Xian pour vous montrer le bon. Donc quand vous avez commandé dans la station au milieu, vous allez avoir votre vaisseau avec un petit point pour dire où il est. Donc vous retrouvez dans la partie de l'intérieur de la station, c'est assez simple. Donc je voulais prendre le Xian pour vous montrer les voiles rouges et les voiles noires comme je vous expliquais tout à l'heure. Et vous montrer qu'il y a des solutions pour les éviter. Parce que le Xian a la particularité d'être ultra méga mobile. Donc hop, on monte dans le vaisseau. Il se verrouille, il se démarre. Et on va être prêt pour partir. Voilà. Donc le Xian, on apprécie toujours le fait qu'il se déploie. Hein. Très beau vaisseau. Voilà. Donc le vaisseau est très mobile parce que comme vous voyez, c'est ses réacteurs principaux qui lui permettent de tourner. Voilà. Donc ça fait qu'il est vraiment ultra mobile. Donc pour initier un bond. Voilà, tu me laisses parler Germaine, s'il te plaît. Merci. Donc pour initier un bond, j'appuie sur B. Voilà. Et par exemple, je veux aller à Yela. Yela qui est une planète avec des astéroïdes autour où il va avoir la future station pirate. Je vise Yela. J'appuie sur F. Et après, je peux tout lâcher. Regardez, j'applaudis en même temps. Il n'y a rien à faire. Vous allez tout droit. Donc l'effet n'est pas le même sur le Xian hein, quand vous prenez le tunnel. Mais voilà. Il est assez joli, quoi. Donc maintenant, comment éviter les voiles rouges et les voiles noires? Sachant que oui, vous pouvez faire le trajet aussi jusqu'à Port-au-Lizard à vitesse normale. Hop. Pleine vitesse, monsieur Spock. Donc en vitesse de combat, il est à 290. En vitesse avec... post-combustion, il monte jusqu'à 450. Sachant qu'aussi, vous avez une vitesse de croisière pour voler rapidement. Donc, avec le Xian, quand vous mettez en vitesse de croisière en appuyant sur V en étant à fond, voilà, là je suis à V à fond, je passe en cruise. Donc là, on a un petit compte à rebours qui nous dit à quel moment on va être à fond. Et en fond, je me déplace à 900 mètres par seconde. J'aurais appuyé dessus pour le désactiver. Parce que quand on est à 900 mètres par seconde, on tourne pas aussi rapidement que. Regardez, hop, je vais me remettre dessus. Là, je tourne à fond, vous voyez mon vaisseau tourne vraiment très très lentement malgré que je sois à fond hein, et le Xian il est très mobile. Donc ne faites pas l'erreur de rester comme ça à fond quand vous enlevez le mode, sinon vous allez partir en cacahuète. Donc là j'enlève en appuyant sur V. Vous voyez le Xian il tourne vraiment comme un donc on va initier un voile rouge. Donc on descend à fond, vous voyez mon personnage va commencer à devenir rouge. Alors pour arrêter ça, vous revissez vers le haut, vers le milieu. Voilà, vers le sens où va votre vaisseau. Donc là, vers la croix, vous allez en général. Comme ça, votre vision va arrêter de se troubler vu que vous ne prenez plus de choc rapide. Regardez, je vais le faire vers le haut. Là, ma vue va se brouiller et devenir noire. Je reviens vers le milieu. Hop. Hop, mon personnage va se calmer, va respirer un peu. Et la vision ne va plus être trouble. Alors, les voiles sont moins impressionnants sur le côté. Hein. Hop, voilà. Les côtés, on les voit moins. Voilà. Donc là, vous voyez ma vue est un peu troublée parce que je lui envoie un peu trop de jet dans la figure à mon perso. Hop, un voile rouge. Voilà. Donc là, j'abuse, je mets un peu d'accélérateur histoire de. Vous voyez, ça devient tout rouge. Reviens vers le milieu juste avant que ça devienne noir. Et ma vue redevient normale. Donc après, c'est à vous de gérer. Hein. Vous ne faites pas un grand coup paf paf dans tous les côtés et votre personnage en général va bien. Si vous ralentissez, vous mettez un peu moins de vitesse. Par exemple, là, je me mets à 52%. Si je tourne à fond. Le voile rouge va mettre beaucoup plus de temps à arriver. Pareil pour le voile noir, hein, il va mettre beaucoup plus de temps à arriver. Donc là, votre personnage craint moins pour sa figure. Et vous pouvez très bien combattre sans être à fond. Hein. Hop, hop. Vous voyez, hop, hop. Vous poursuivez votre ennemi. Vous ralentissez un petit peu histoire de ne pas tomber dans le voile noir. Ou dans le voile rouge, hein, ça va dépendre. Vous voyez, en gros, c'est juste un dosage. Il faut juste doser le fait de prendre plus ou moins de G dans la figure. Donc ce tuto est terminé pour les déplacements, donc on a vu surtout le basique, hein, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails.
Mais normalement, avec ça, vous avez de quoi bien débuter sur Star Citizen. Allez, sur ce, à tout de suite pour une prochaine vidéo. À plus!